nous devons apporter des précisions. Le mensonge, parce qu'il y a une question selon ce que nous voyons dans les deux jours à l'approche du 31 décembre, et la seconde phase, ou bien l'autre manière de faire comprendre à la population que Mamadi Doumbouya est le choix d'aller du peuple, certains individus mal intentionnés qui savent très bien et qui sont au courant qu'il n'y a pas d'acquis de Mamadi Doumbouya dans ce pays. Mais vouloir tromper la population, c'est-à-dire faire croire que ce qui a été fait au temps d'Alpha Condé sont réellement les acquis de Mamadi Doumbouya. Et j'ai été tagué ce matin, je me suis réveillé avant d'aller, avant la prière, j'ai lu, il y a un ami qui lui dit, ah, c'est très bien, voilà, tu as fait que le groupe des menteurs vont se retrouver à Kouroussa. Vous savez, je l'ai dit deux ou trois fois dans des directs qu'il n'y a jamais eu d'activité de ces fanfarons, des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. Comme Mamadi Doumbouya d'ailleurs, qui étaient ses amis d'enfance, c'est-à-dire qui étaient, c'est dans l'appel Cosmos, les braqueurs, ceux qui étaient au milieu de Cancan, au milieu, juste là-bas, en train de laver les véhicules. Ce qui n'est pas mal, mais aujourd'hui, à travers un qui a pris les armes pour attaquer la démocratie de ce pays, attaquer ce qu'on appelle la démocratie en République guinéenne. Parce que tout un peuple conscient, et je dis bien un peuple conscient, un peuple à majorité très très conscient, savent que le pouvoir l'appartient. C'est pas quelqu'un qui a pris les armes pour attaquer un pouvoir. Laissons Alpha Condé de côté. Attaquer la démocratie peut parler au nom du peuple. Vous ne pouvez pas prétendre être le défenseur du peuple, étant donné que ce n'est pas lui qui vous a confié le pouvoir. Regardez chez nous ici. Nous sommes 300 et quelques millions d'Américains. Mais ceux qui doivent voter réellement, c'est 170 millions de votants, ceux qui doivent voter réellement. Allez-y voir les statistiques. Trump a eu 67 millions et quelques de personnes qui ont voté pour lui, qui fait 200, voilà. Merci Youssouf, qui fait 294 électeurs. Madame Harris, d'ailleurs, que les gens oublient, n'a eu que 107 jours de campagne. Toute sa vie là, a eu 107 jours de campagne. L'autre a fait 2 ans, il est en campagne. 2 ans, il l'a dit. 2 ans en campagne. Parce que quand on est ancien président ici là, on a la force, c'est-à-dire l'image impacte beaucoup le parti. Voilà pourquoi il s'est imposé. Moi, je m'adresse à ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne ici. Nous avons eu 62 millions de personnes qui ont voté pour Mme Harris. Donc, vous avez vu, c'est presque moitié-moitié. Voilà pourquoi les gens parlent de fracture sociale, parce que c'est très difficile de rapprocher les deux groupes, parce que l'idéologie est différente. Mais quand même, vous avez entendu notre candidate qui dit clairement, elle l'appelle pour dire féliciter pour sa victoire. Mais nous restons sur notre programme. C'est le peuple qui choisit son président. Ce n'est pas un militaire qui doit et puis prendre le pouvoir et puis venir dire que je vous aime plus que ceux qui sont en civil. Et regardez aujourd'hui ce qui est dommage et honteux. Ce qui est dommage et merci beaucoup Youssouf. Ce qui est dommage et honteux. Des intellectuels dans ce pays. Biro, bonjour Biro.
de ceux qui sont allés à l'école dans ce pays, qui se laissent berner par des illettrés, viennent nous dire, ils sont allés à l'école, c'est des docteurs, des professeurs, nous disent que c'est Mamadi Doumbouya qui est bon pour nous, c'est-à-dire qui est bon pour le peuple guinéen. Parce qu'eux, ils sont en train de manger avec lui. Ils sont en train de gagner avec lui. Au fait, ils ne l'aiment pas. Mais de fait qu'ils ont eu des faveurs, oui. Bah, du pavé, comment vas-tu? Voilà. Voilà mon frère, l'intellectuel Mohamed Tidimé, qui apporte. Il parle des médias. Chez nous, les médias sont fermés. Je vous le jure. S'ils n'avaient pas fermé les médias privés dans notre pays, là, les choses n'allaient pas se passer comme ça, hein. Vous savez, nous avons supporté les critiques, les attaques, les analyses, je dis, mais les analyses des médias guinéens au temps de notre gouvernance. Mais vous pensez que ceci-là peut supporter ça? Ils ne pouvaient pas, ils ne peuvent pas. Maman raconte, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un problème de terre à terre. Regardez-vous aussi, c'est très simple. Mais je ne suis pas étonné. Je sais qu'un frère, un confrère, un frère journaliste avait dit clairement. Aux États-Unis, c'est ce que frère Sidibé disait tout de suite là. Aux États-Unis, ici, là, il y a un média qu'on appelle CNN, très suivi, CNN, qui est une chaîne conservatrice. Vous savez, les républicains sont conservateurs. Les républicains sont conservateurs. Conservateurs. C'est l'Amérique d'abord. Le social, non. La solidarité internationale, non. Ils ne sont pas dedans. Et voilà. Voilà pourquoi, sur le plan économique, cela va toujours marcher aux États-Unis. Si c'est les républicains, sur le plan économique. Vous comprenez? Sur le plan économique. Demandez aux frères qui sont là, les intellectuels qui sont là, ceux qui ont dû aux États-Unis. Ils savent très bien, ils connaissent. Moi, je viens juste 2 ans avant, je suis rentré dans la politique locale ici. Dans mon quartier, je suis rentré, je suis allé m'inscrire. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est trop bête. Regardez dans notre pays des mareuses. Parce que le ministre ou la ministre est une soussou. Ou bien, je ne sais pas, elle est malinquée ou je ne sais pas, elle est peule. Mais allez-y, écoutez les mareux, je n'en reviens pas. Vous avez passé ici en train de pleurer qu'il n'y a plus de poissons. Parce que ce qui se passe actuellement là, c'est du jamais vu dans ma vie. Comme ils ont compris que les gens sont déterminés pour le 31 décembre, maintenant il faut se rabattre au lieu d'attaquer, parce qu'ils attaquaient les partis politiques, hein. Dès que tu parles, on te met en prison. Dès qu'on a des informations, on te tue, on t'enlève. Ils ont compris qu'il faut aller vers la population pour mentir. Regardez le petit, le faux pasteur Marcoso. Marcoso est parti prendre les bâtiments qui sont derrière Diamond Plaza. Hein? Diamond Plaza. Est-ce que vous comprenez? Diamond Plaza, tout autour les bâtiments qui sont derrière, pour dire que il prend ça, il montre, il fait une vidéo pour dire que ce sont les bâtiments construits par Mamadi Doumbouya. Hein? Nous savions très bien qui a fait ces bâtiments, qui a fait Diamond Plaza. Cette ligne jusqu'à là, on le sait. Mais lui, il ne connaît pas, il ne sait pas. On l'a menti. C'est-à-dire, quand il est arrivé, voilà les acquis, il faut présenter ça, tout ça là. Ce n'est pas les étrangers qui vont faire la publicité pour nous. Ce n'est pas les étrangers. Nous avons vécu dans ce pays. Vous savez pourquoi ça ne passe pas? Ils ont tout fait, ça ne passe pas. Donnez-moi une seule fois où ils ont réussi dans les communications. Ils n'ont jamais réussi dans les communications. Jamais. Donnez-moi un seul exemple. Maintenant, et on me dit, non, Benito, tu as fait que tout le groupe descend en Kourou ça. Parce que j'ai parlé de l'abandon de Kourou ça. Dans toutes leurs médias, leurs propagandes et autres,
Ils n'ont jamais parlé de Kouroussa, ils n'ont pas cherché Kouroussa. Donc tout le monde est focalisé à Kouroussa. Mais le problème de Kouroussa, c'est que selon eux, ils s'en vont à Kouroussa. De là, ils vont présenter à la population Mandingue les acquis de Mamadi Doumbouya. Vous avez écouté dans ça hier, j'ai fait passer sa vidéo où il ment carrément. Il a parlé du projet Simandou qui a été renégocié, ce qui est faux, pour 2040, 2040, que cela a été renégocié. Et vous savez comme moi comment le processus de négociation d'abord de Simandou a commencé. Ça a pris 2 ans. D'abord, pour faire Simandou, il fallait faire un code minier. Pour faire Simandou, il fallait apporter des intellectuels comme celui qu'on a enlevé, Nimaga. Nimaga, c'est l'un des architectes de Simandou. C'est l'un des architectes de Simandou. Et pourquoi ils l'ont enlevé? Et puis, toutes ces personnes qui bavardent, les Ousmane Gawala, les autres, mais dès que tu les demandes, qu'en est-il pour le droit de l'homme? Parce qu'ils ne veulent pas parler de ça. Qu'en est-il pour le droit de l'homme? Qu'en est-il pour l'insécurité? Qu'en est-il pour le courant? Qu'en est-il pour l'eau? Non, le débat. Allez écouter tous les débats. On ne parle pas de ça. Et lui, dans ça, vous regardez, il vous dit que Doumbouya a changé le niveau de vie des Guinéens. Au moment où le sac de riz varie entre 450 et 500 000, où le sac d'oignon bidon dure tout, qu'il a changé le niveau de vie des Guinéens. Aujourd'hui, les Guinéens vivent de quoi? De vivre de leur salaire. Les 100% salaire. Regardez aujourd'hui, ils ont institutionnalisé les coordinations régionales. Nous avons appris pourquoi Elassi Savané est devenu le coordinateur de la moindre Guinée. Que c'est pas, comme nous avons réagi, que non, que ce n'est pas le Haly Poular qui est le coordinateur de la moindre, que la moindre Guinée n'est pas constitué d'une seule ethnie. Vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai raison maintenant, hein, que ce n'est pas les Peuls seuls qui se trouvent en Moyenne-Guinée. Que longtemps, les chefs Peuls ont dirigé la corne, mais il faut changer. Ce n'est pas vous de changer, c'est ceux qui vivent dans la région qui doivent choisir les chefs. Ce n'est pas à vous de choisir à leur place les chefs. Voilà pourquoi nous parlons de civil, de présence civile. Parce que dans les conditions normales, un président civil élu ne peut pas imposer, ne peut pas imposer une coordination à la population locale. Ceci, Savané, on me dit qu'il réside à Conakry, il ne réside pas en Moyenne-Guinée. Mais même si on dit c'est un Dakar, mais attendez. Maintenant, prenons Kouroussa. Ils s'en vont à Koussa pour prendre les acquis. Écoutez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. C'est le monsieur-là. Regardez, Apache. C'est ça même, monsieur Keïta, c'est ça. Regardez. Le monsieur que vous voyez comme ça, là. Il n'est pas là à l'école. Ce n'est pas un intellectuel. Apache, c'est un ami de Doumbouya. C'est un jobber, un ancien jobber. C'est lui. Ça dit, c'est une honte. C'est une honte. Ça dit, c'est lui qui est le président de la Chambre d'agriculture dans ce pays. Est-ce que vous l'avez entendu une fois parler des projets agricoles? Non. D'abord, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer en français. Il a mis président de la coordination. Ça dit, c'est grave. C'est lui, son groupe-là, de menteurs. Regardez, personne, à commencer par l'ingénieur, comment il s'appelle là? Lui aussi. Comment, il est de Kouroussa. Il a fait Farana. Comment il s'appelle même? D'accord. Il a fait génie rural à Farana. C'est eux, il est aujourd'hui presque enceinte. C'est un petit à nous à l'université. C'est aujourd'hui, parce que moi j'ai parlé de Kouroussa, on débarque à Kouroussa. C'est ce que les gens ont dit. Ils disent voilà, Béni, tu as poussé les gens à aller à Kouroussa.
C'est l'autre, comment il s'appelle? C'est nous qui. Nous avons étudié ensemble. Comment ça? C'est Condé. Comment? C'est quoi Condé? Il a fait général. Il est devenu trop bavard. Trop. Et puis c'était un nulard à l'université. Un nulard dans un général. Un nulard. Je me l'appelle son nom. Il faut le voir, il est cool comme ça. Regardez, je vais lire ça. Voilà ce qu'ils disent. Hein. De là, on dit. Parce ils se sont trouvés un nom aujourd'hui. Parce que, je vous dis, quand ils se déplacent avec des groupes de filles. Vous avez vu, on dit Mira Kuruma là. Mira Kuruma, on dit la femme battante de Conan. Allez-y voir son groupe. Mira Kuruma. Les autres, comment? Condé, Ali, non, les groupes. Quand on dit le salon VIP, on les appelle le salon VIP. Cher peuple de Guinée, quand vous regardez l'ensemble de ce groupe-là, c'est dans votre intérêt. Les gens là se promènent. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Lui là, il n'a pas. Lui, Apache, il n'est pas fonctionnaire. Il n'est pas fonctionnaire. Est-ce que avant, au temps du procès Alpha Condé, vous l'avez vu comme ça? Non, aujourd'hui, il est le président de chambre de commerce, de chambre d'agriculture. Demandez à ceux qui travaillent dans cette chambre. S'il assiste à des rencontres, non. Qu'est-ce qu'il fait d'initiative? Rien. Absolument rien. Mais tout ce groupe-là se déplace. Quand il se déplace avec l'argent de ce pays, ce ne sont pas des anciens. Jusqu'au coup d'État, demander le Sud avait 1 milliard sur son compte. Aujourd'hui, on me fait savoir. Il a plus de 30 milliards. Il a l'argent. C'est les gens qui ont suffisamment d'argent. Suffisamment large. Où il a levé cet argent? Lui, il le dit carrément devant tout le monde. Il n'y a pas de frontière de Doumbouya et lui. Demandez où travaille sa femme. Je m'adresse à vous, peuple de Guinée. Même quand vous le regardez, le groupe là se déplacer. Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est avec quel argent ils se déplacent? Ils sont là, ils disent qu'ils sont fonctionnaires, ils sont pas dans les bureaux. Un fonctionnaire censé gagner son salaire et les primes. Mais eux là, est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi ils ont les voitures 4x4? Il faut voir les 4x4, les Jeeps, les Toyota et autres. Ces voitures, des voitures neuves. Regardez les immatriculations. Ce sont des voitures de la fonction publique. Au moins, même si ils sont quoi. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui les autorise à se déplacer comme ça? Regardez à Kindia, le préfet demande l'aide du ministre des Finances. Vous connaissez, c'est un Sousou, Mourana Souma, d'envoyer de l'argent parce qu'ils sont. Sa communauté, quoi, a un club. Envoie-moi de l'argent, c'est-à-dire lui, il écrit carrément, officiellement à Mourana, de l'envoyer un budget pour faire la semaine, non, le mois de la refondation. Tu vas demander à ce petit préfet la définition de la refondation et des exemples de refondation dans ce pays-là. Il ne va pas s'en sortir. Il va dire, mon ami, il faut laisser ça, c'est comme ça la politique. Mais nous sommes dans un état d'exception. Mais vous aussi, peuple, regardez tout ce qui se passe dans ce pays-là. C'est différent de Burkina, ce qui se passe en Burkina. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré peut se permettre, et lui, il est en guerre, hein? Ibrahim Traoré est en guerre, Assimi Goïta est en guerre. Mais vous, peuple guinéen, regardez, vous n'êtes pas en guerre, on achète les armes. Vous n'avez pas. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes conscient de ce qui vous arrive? Si ce type-là s'impose sur vous pendant 20 ans, vous pensez que c'est. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a d'autres qui disent que vous allez rester en exil. Moi, je ne suis pas en exil. Non, vous allez rester en exil. Doumbouya va rester 100 ans au pouvoir. Moi, je ne suis pas en exil. Voilà, on a enterré Mohamed ici. Comment je suis en exil? Je suis là, je vis avec ma petite famille. Vous allez mourir en exil. Il y a un qui m'a écrit. Vous allez mourir en exil. Tu parles de mon exil. Je suis en exil. Mourir en exil, je travaille. J'ai ma petite famille, je vis en exil. Oh. Je regarde. Et ce qu'ils disent, il y a des gens qui se promènent avec des sacs de 35 000 dollars. On dit le grand salon VIP en route pour Kouroussa,
pour la journée de reconnaissance aux acquis de Mamadi Doumbouya pendant 3 ans. Regardez, ça c'est le français créé, je ne sais pas entre qui a écrit ce français. Un pour tous, un pour tous, tous pour un. Ça dit un pour tous, tous pour un. Ça dit Mamadi pour tout le monde pour Mamadi. Et voilà, on dit journée de reconnaissance aux acquis du CNRD et de son président à Kourousa. Samedi 11, samedi qui vient, 2024, le 11, mon général, on vous croit, vous suit, j'y serai. Le parrain de ça, écoutez, le parrain de ça, c'est M. Souleymane Apache Bérété, président du Grand Salon VIP, c'est-à-dire il est devenu le président du Grand Salon VIP. Et voilà, et d'autres invités, Mohamed Lamine Sangrala Keita, M. Mandian Traoré, vous connaissez Mandian Traoré, M. Marcel Edouard Dibo, c'est tout ceci-là qui, pour une journée, à cause. Je ne rentrerai pas dans les détails des dépenses, parce qu'on me parle de plus de 500 à 600 millions, des t-shirts confectionnés, tout ça là pour une journée, pour quelqu'un, pour présenter ses acquis, parce que nous allons avoir les infos aussi de Kourousa. Nous allons, ils vont nous envoyer les propos, les différentes interventions. Vous allez entendre de Simandou, parce qu'ils n'ont pas de projet de développement. C'est le Simandou qui est dans leur tête. Tout est Simandou. Je vais m'adresser à ces femmes vauriennes. Excusez-moi. Mais une des femmes, vous les marieuses, parce que vous êtes des, d'abord vous êtes un groupe d'illettrés, un groupe de personnes perdues. Voilà pourquoi, allez-y, va tous nos débats, nous refusons de supporter les enseignants, les syndicats. Malgré que les enseignants sont maltraités dans ce pays, malgré que les fonctionnaires souffrent dans ce pays, là, on n'avons pas laissé les militaires qui ont abandonné la population. Ce n'est pas vous, les... Nous avons écouté votre intérêt, surtout la dame là. Mouta Mamadi Doumbouya en colon. Voilà vos erreurs dans ce pays. Mais comment n'allons pas aller loin avec vous? Vous êtes des illettrés, un groupe d'illettrés. Parce que mon yoto na otagi na ambarasiga intérieur. Mais la condition de vito. Mouta Mamadi Doumbouya na ambarasiga. Même d'Ibrika, pour connaître les conditions de vie de Guinée. Parmi vous, je ne vois pas quelqu'un qui s'est déplacé pour aller même à Mamoun qui est après, à côté ici. Est-ce que parmi vous là, il s'est déplacé pour aller à Bokeh? Regardez nos routes, ou bien vous avez le courant 20, et puis c'est vous qui pleurnichez ici là, qu'il n'y a pas de courant. Mouraïereg, Kanafé, Mourasende, Kanafé, Temouna. Et quand j'ai écouté votre sortie, surtout la présidente des mouvements de quoi là. Mais comme Omnamoura Club, ce n'est pas vos sorties là qui vont sauver Mamadi. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas important. Oraï, Wayne, Mamadi, sauvez-moi. Quand ça va commencer là, Obinin Soman, et puis autant, aux femmes, on aura Gélibayara après encore, quand il y aura un président civil. Mais nous avons noté votre sortie. Les gens sont très furieux, ceux qui vous ont défendu ici, là. Lorsque vous plaignissez que vous n'avez pas de courant, les gens se sont levés pour vous défendre. L'affaire de courant, là, vous pensez qu'on le disait pour la population, simplement. Mais c'est par rapport aux soudeurs. Regardez les soudeurs. Les soudeurs, les petites et moyennes entreprises, là, sont ventes debout contre Doumbouya. Mais vous, les marieuses, parce qu'il y a une dame, la ministre de la Perse, est partie vous corrompre. On a amené dans vos réseaux sociaux, on a amené dans vos nez d'or, on est, et n'a oublié dans ma scène de fait. Oublié? Parce que c'est ce qu'elle a dit. Et oublié dans fera faire réseaux sociaux, et n'a scène de là-bas faire réseaux sociaux, et oublié à son ou à scène de Riki. Mais ce qui se passe dans ce pays-là. Nous, on a un groupe, vous les mareuses là, vos chefs là sont sur la liste maintenant des personnes malhonnêtes dans ce pays là. Vous pensez que parce que vous êtes des femmes, nous allons vous laisser vous, parce que vous êtes mis dans une option, c'est-à-dire une honte. Aussi, parmi vous là, on a des rangs, aussi, un message de Tongwa, il y a Robert. Combi, allez-y voir en bas. Combi, mouna, et mouna, en saga,
Allez-y voir en bas. Grand fait des chercheurs, comment vas-tu? Allez-y voir en bas. Les gens vous ont insulté. Vous allez voir en bas là-bas, vous les mareuses là. Ce sont vos enfants, vos neveux. Certains même vous ont insulté, même dans les intimités. Allez-y. Ousigawa Amato. Alabé, allez-y lire. J'ai vu quelqu'un qui a écrit en français, mais quand tu lis ça en sonne, Ouyagitare Matoba. Il a écrit comme ça. Ouyagitare Matoba. Parce que Oumouyagima. Iname Yagitarea. C'est ce que vous avez fait. Parce que ils sont allés vous mentir. Vous sortez. Moutan, Moutan Namamadnambe. C'est pas Kassoni qui sera interrogé sur qu'est-ce que Kassoni n'a pas fait pour vous. Non, c'est pitoyable. Il y a trop d'ingratitude dans ce pays-là. Qu'est-ce que Kassoni n'a pas fait pour vous? La modernisation du secteur-là, au port Mato, port de pêche et Mato, c'est la gouvernance d'Alpha Condé. Les microcrédits, c'est la gouvernance d'Alpha Condé. Autant c'est fallu m'outamber. Autant, surtout vous les marieuses là. Si je, comment ça s'appelle là? Quand Badra lui, parce que c'est pas Badra qu'on est votre salaud là, hein, de petit Badra. Voilà, Badra. Je voulais même pas Badra. Quand Badra, non, grand Benito, il m'a trouvé. Il m'a dit, non, c'est grave. Hein. Alors, il m'a trouvé. Nous sommes Guinée Touré. Surtout les marieuses ne ramini. Rafala et Anna Doubouya Fene. Non. Benito, je suis dépassé. Mais honnêtement, je me suis mis à sa place. Moi, je n'avais pas vu ça. Hein, parce qu'il y a un ami qui m'avait envoyé le lien. Mais j'ai cliqué. J'ai vu marieuse. C'est quand il m'a envoyé, j'ai lu. J'ai dit non, c'est pas vrai. Les marieuses ne peuvent pas me dire qu'ils se réjouissent, qu'ils sont contents de leurs conditions de vie. Il me dit, il faut lire le test. Lis le test. Si tu n'es pas d'accord là, pardon, il faut lire le test. Parce que moi, je suis en ville. 90% des travailleurs, les gens qui venaient se débrouiller, parce que le port était devenu aujourd'hui une activité, le port est devenu le centre d'activité principal, grâce à Alpha Condé et Kassori. La gouvernance d'Alpha Condé. Alpha Condé, Rafaïma, il reconnaît ça. Amoura Faïma reconnaît ça. Le port était devenu, parce que, n'a classement fait, le port autonome de Conakry était devenu le port le plus attractif de la sous-région. C'est là le premier port. Aujourd'hui, n'a classement tombe. Alors, Benito, il faut montrer à ces femmes-là. Nous sommes combien aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Si ce n'est pas 8e, bah, c'est 9e. D'ailleurs, les gens n'en vont plus les marchandises. Au Fangamato, la façon dont il y avait les transactions, et Sarabama, d'autres envoyaient 3, 4, 5 conteneurs. Et c'est, aujourd'hui, c'est 3, 4 personnes qui se réunissent pour envoyer un seul conteneur. Parce que vraiment, voilà comment vous êtes gêné, ou un fait, ou mine serrée, ou cinéma. C'est une façon de vous dire, c'est une honte. Il faut lire le test. Il dit, grand, lire le test. Il faut lire le test. Attendez, je vais lire, vous allez écouter. Ces femmes vendeuses, mareuses, là, vilaines comme ça, là. Vilaine comme ça. Son pompopole comme ça, là, ensemble. Où les deux gris minimum, et bon, les ma. Autant d'oublier, maintenant, Amé Radi Farah. Et puis, vous ne pensez même pas, vous êtes mère de famille. Parmi vous, là-bas, il y a des gens qui ont 17 enfants. 17 enfants de pères différents. Il y a un autre, il y a maintenant Madi Singe Baba, ou bien il y a Mdem Folofa, Mdem Sabanafa. Elle seule, elle a eu 4-7 enfants de 5 pères différents. Maintenant, avec toutes ces conditions-là, ils sont en train de réunir les choses pour vous aider, pour que vous voyez le chemin. Kouletabraba, il y a des mères de famille qui sont dans les maisons. Mères de famille, ça a bangé, et wafé, et mère a dit fouet trouvé. Mais, Moussolia, Beye, Alou Kastlalombe, Adenou Sou, Kouleta Bonala, Moulie, hein?
Voilà le Guinée égal à lui-même. Mais radié, aïe, ma fille, mol de nous. Dole rago, ok, embrassons. Embrassons, andun brafa, embrassons. Mais aïe, souda mayado. Aïe, bra, aïe, kenin ki ban. Ramol de souda kadalma, aïe, de soudo. Ama, ok. Et puis, à l'ouvre, andun ma fille, afin de lui, qu'on lui soit le bon président. D'abord, qui l'a choisi? Voilà pourquoi j'ai dit, il y a un groupe d'illettrés. Parce que vous n'êtes pas sincère. C'est quand tu es dans la sincérité, tu es honnête, quand tu maudis, Dieu accepte ta voix. Mais quand tu es malhonnête, il faut maudire jusqu'à 20 000 fois. Dieu, d'abord, tu es dans la malhonnêteté. Comment vous pouvez vous asseoir pour dire que ce type-là est bon pour la Guinée? Hein? Regardez ce pays. Regardez ce pays. On a port dans l'ancêtre, Manakin, a port. Bateau femme, ça, non? Une semaine bateau, avant il y avait des bateaux qui attendaient à combien de nautiques. Tu vas voir, ils sont à 1000, 2000 nautiques, ils attendent. Parce que bateau, bah, go port, ma. Mais ils vont le faire manier, Rafa, pour aider les gens à décharger. N'abrite pas, on est qu'on a grimé. C'est aujourd'hui qu'on c'est lui. Aïe, donc, il y a un mélange perdu, il y a un mélange marbe, marbe, bite, il y a tout, aranan, baben, aranan. Non, il a bon, Babé Makono Doni, Angal Hersa, Ndare Horemo, Ndare Ndi Lady, Ndare Ndi Lady, Ande. Tete Oto, Konakri Mamu, Ya Ondaron, Don Halna Mendo, Non, Kodo Faladon, Mbako Angal Hersa. Ayado Yumira, Yeronku de Kof, No Dari, Eh, Menen, Kamama, Yumbian, Fala, Kosori, Jo Keldudo, Sori, Jo Keldo, Pandi, Sori, Jo Keldo. Ah, mais, sur lequel le colonel a baillé, sur lequel le coquel falaï, coquel est faï, combien on y sort, parce que maintenant, non yéi, no keri, yéi, wa di gere, arti, grada, il n'a fait pire, yet go, wala bi de imbe, yet ronka djon go fouleo, non, no yurumi quoi. Kundu de l'oubou de notam, mais n'en gang comme un fala, moni de mouya, angalersa, pa que moko no ware, route des princes. Alors, ton gène te bien, les réseaux sociaux, ben, que bête pas tout, joki. Corumbe, on a halandé. Oh non, non, souti. Croya, mais Johnny, on a 1 million ou 200 000. Arrête, donc, si pour toi. Imbou, donc, on bout de la guinée. Imbou, comme bout du mongo, couloum, n'yame. Comme bout du mongo. Imbou, donc, on bout du mon. Imbou, qui va non, 500 000, 1 million, comme bout du mon. Il a un bout de la guinée. C'est dans l'homme, on connaît bien le dimbouri. Avec un milliardaire. Arco milia, ben, faut arco pauvre, ben. Amara, malana, télévision, que ça l'a marre, amara. On en donne, nanga, donc, 1 million 500 000. Amara, nommé village, idiom, nommé château, nommé étage, donc, souti, non, y, ben, y'en a, on donne, non, 1 million 500 000, et puis, le waki, non, le yondini, non, et puis, on, marci, on en a, ben, moi, y, ben, geldi, ben, y, ben, fourbe. Bande de vauriens. Ta ko yumira ngolo hundu ko no luba tous a hersata. Je vais lire ça rapidement. Rapidement. Queen. Je vais lire ça rapidement. Écoute, on dit les mareuses mobilisées autour de la ministre de la Pêche pour soutenir les actions de Doumbouya. Regardez, on dit après une visite remarquée. Ok. On va te brocher. Hein? Mm. Ok. Mm. On dit après une visite remarquée au port de Boulbinet, le port de Boulbinet, la ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime, Madame Fatima Camara. Voilà, ça ne m'étonne pas. Madame Fatima Camara s'est rendue ce samedi 6 novembre 2024 au marché de Kenyen, dans la commune de Dixine. Kenyen, voilà, accueilli chaleureusement par les femmes marieuses. Venus en nombre pour exprimer leur soutien aux initiatives de le président de la transition. On vous dit président de la transition, hein, voilà. Le général Doumbouya, cette rencontre a été marquée par des discours de solidarité. Hein, la solidarité, discours de solidarité. Eh Dieu, de solidarité. La solidarité. Vous êtes riche, déjà vous avez l'argent. Discours de solidarité et de reconnaissance envers les actions du gouvernement en faveur du secteur de la pêche. On nous a attaqué.
des actions en faveur de la pêche. Nous allons tous mourir. Au nom du Fala. Des actions en faveur de la pêche. Et je continue. Le représentant communal Oumassi a affirmé l'engagement de la délégation spéciale d'Ixine. Oui, ça c'est normal. Vous avez été désigné au soutenir le CND. Regardez ce que l'animal dit. Lui, Oumassi. La délégation spéciale de Dixine entretient de très bons rapports avec la direction communale de la pêche. Nous sommes engagés à promouvoir les idéaux de refondation. Et là, le mot refondation là. Celui qui parle comme grand frère, on ne comprend pas la langue poulard. Mon ami, il faut arrêter des choses comme ça sur ma page. Tu ne comprends pas la langue poulard. Ce que j'ai dit en soussou là, je l'ai dit en malinke et je l'ai dit en poulard. Mon ami, il faut s'efforcer d'écouter un peu les autres langues aussi. C'est très important. Arrêtez de quitter ça sur ma page, s'il vous plaît. Voilà, efforcez-vous d'écouter un peu les autres langues. Vous comprenez? Ce que j'ai dit en Soussoula, je l'ai dit en Malinké et même en Poulard encore. C'est la même chose. Ah, franchement. Et voilà, voilà. Je continue. Quand nous sommes engagés, bon. Voilà maintenant Hadja Ma Kamara. C'est comme ça. On dit présidente de l'Union nationale. Voilà. Voilà. Hadja. Non, Moussa, je n'ai pas dit que c'est grave. Non, je n'ai pas dit que c'est grave. Je dis, efforcez-vous. Nka même faut dire ce socano. Nka ou le faut manika cano. Nka ou le faut flacano. Nko le, nko le diamana me ma fele. Al menu kumala, al mousso menu kumala ou du ko, madibarla, mousso mareuse. Aïe, bab, aïe, ko la Guinée, tout va bien, quoi, allez, allez, les faits. Aïe, ou liba, aïe, mon blita, aïe, ou amamou, aïe, mon blita, aïe, ou abouké. Aïe, mon blike, le moutaba, aïe, ma tama la Guinée, aïe, ma fenêtre, maloboro, et bi, entre, se négocie entre, 450, 5, un kaole fort, flakanoudi. Voilà. Un ko mousso de l'ébi, d'un temps, de le d'un mouroum là, fa que l'intal là, y'a mena tout kon d'un folofa, d'un sabanafa, d'un nanafa, n'a alpha kon de brahinel là, car elle a action ta calme demain courta braque et puis même courta OK kono ko alpha konde ma OK ko le ka OK c'est ce que j'ai dit au fait en poulard. Voilà donc Hadja Ma Kamara, présidente de l'Union nationale des femmes marieuses de Guinée INFMG, a également pris la parole. Voilà la sorcière maintenant, elle est vilaine comme ça, elle a plus de 30 bagues, vilaine comme ça. Voilà que elle a également pris la parole exprimant la gratitude des femmes marieuses pour les améliorations apportées, hein, améliorations apportées à leur secteur. Grâce au... Regardez ce qu'elle dit. C'est ce qui m'a fait très mal. Parce que c'est elle qui pleurait ici, hein, que les poissons, un an avant aujourd'hui, là, que les poissons pourrissent, c'est elle qui se plaignait elle-même. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle dit. Que grâce à Mamadi Doumbouya et à votre vaillante ministre, nous avons vu des changements positifs. Hein. Nous sommes derrière les idéaux de Mamadi. Et nous resterons fidèles. Je me limite ici. Nous remercions les vrais soussous, hein, les vrais soussous, les soussous qui disent la vérité. Parce qu'il y en a plus de 90% étant non dit l'enfalama. Voilà. Hop, domeni, n'y a la forêt, ou les fal, ou les fala. Alors, y'a tu auras. Non, non, même si vous, on a doua mérite à la maratima. Jamais à la maratima. Parce que vous êtes des fausses femmes. Des fausses.